Je passe avec eux et après je viens avec vous écouter l'école. Non mais on sait qu'on est supérieur à eux, donc sur mais club oui. Ça balle ça. Oh, tu nous l'as fait sortir là, deuxième round quoi. Oh putain, deuxième round, mais quoi ma mère, mais quoi quoi. C'est trop facile de le trigger, c'est trop facile de le trigger. Je vais faire pareil de l'autre côté, vous inquiétez pas. Remember it. Sérieusement. Alro, il faut que tu continues de jouer comme tu joues. Le Guy, si de temps en temps vous avez envie d'être off-site tous les deux, pourquoi pas. Aucune autre personne n'a le droit. Vous êtes bien meilleurs, Baggy, Zago et Nano, sur site que off-site. Baggy, si tu prends Clash et Montagne, faut que t'arrêtes d'être greedy. C'est pas parce que tu vois une clé mort que tu dois tirer dessus. Si tu fais preuve de don de soi en jouant Montagne et en jouant Clash, tu le joues pleinement. Ah ouais, mais là j'étais trop énervé, je sais pas pourquoi. J'ai... Il était excité, Baggy, je sais pas ce qu'il avait là. Mais impossible à tenir. Il a dû prendre une dose de Ventoline de trop. non, mais je comprends, donc je vais redescendre un peu. Par contre, quand tu dis en dehors, je peux mettre jusque proxy. Okay, je préfère être que tu sois dans une logique de pilier à regarder des cams que vous faites jamais. Il n'y a pas eu énormément de setup qu'ils ont sorti tout à l'heure. Non. Et vous vous êtes fait niquer sur des choses simples. Nano, c'est la même chose. Si. Faut que t'arrêtes de tenter des trucs, mec. Et là, c'était un test tout à l'heure, voir si je pouvais rentrer dans ta tête. Deuxième round, mec. Hein. Tu m'as gavé. Deuxième round. Jack, je suis pas ouf avec ces nouvelles touches. Ça m'a foutu la pression. Mais dès que j'ai la pression, je confonds toutes les touches. Eh ben, justement. Après, tu pars en tilt. Et donc, t'es dans une logique de destruction. Tu vas faire tout pour quasiment avoir ce que tu veux. C'est-à-dire mourir et faire mourir ton équipe. Alors que quand t'es en tilt, il faut que tu sois dans une logique, au contraire, protectionniste. Je reste sur site et je fais des trucs simples. Et de débile. Mais j'ai essayé de me le dire plusieurs fois, mais c'était plus fort que moi. J'en avais tellement marre au bout d'un moment de crever tout le temps sur les trucs à la con. Donc si moi je suis le coach, je vous dis, ils vont ban Montagne et ils vont ban Clash ou Oza. Réfléchissez à ça. Zago, ton blitz, il est très bon. Donc n'hésite pas à faire un push raid à un moment ou faites des push rapides. Truc de Toto quoi. Ying, blitz, on y va. On fait une strat rapide. Voilà, c'est tout. Ça marche ? Je peux juste dire un truc s'il vous plaît. Et Cynthia, tu peux m'envoyer plein de courage s'il te plaît ? Allez, à tout à l'heure. Sinaz, merci encore d'avoir update la qualité de ta caméra. C'est... Ah, il s'est mute. Mais j'entends même quand je suis mute, en fait, je mute et après j'entends le retour sur le live. Ils ont ban quoi ? Montagne et Clash. Faut cliquer. Bon, qui est-ce qu'on va essayer de faire tilter ? Tu mets ta droite et red, vite. Non. Mopiz, il y a Nano qui a dit qu'il te niquait, vraiment. En plus, tes décals sont un peu nuls. Excel, il part vite aussi. Vas-y, je vais en faire deux. Pour être sûr et certain qu'il perde. Je drone. Excel, peut-être que ce serait intéressant que tu retournes sur un showdown, je pense. Faut pas mourir. Les gens comprennent pas. Il y en a à droite aussi, quand tu rentres. Nice. Oh, Nano, bien wesh. C'est bien, ça fait perdre du temps. Les gens ne comprennent pas parfois qu'en défense avant de faire des kills. Il est encore à droite. Oh là là, bien sûr, un Mopiz. Oh les nègres ! Il y en a un qui rentre sur site. Il y a encore Nano. Non, il est là. Oh là là, mais il a pas le droit. Non, Katolk, les gars. Il y en a un sur site, c'est le rook. Il a un rotation. Garage, non ? Faut qu'ils le mettent, les vieux, le premier round. J'ai plus d'infos. Il est là, rota. Oh là là, nice. Vous souvenez ce que j'ai dit? J'ai besoin de comprendre. Tu peux le wallbang, Termite. Non. Faut enclencher, les gars. Derrière la bombe. Oh nice. Allez, on bouge, les gars. Red. C'est bon. Il plante. Ah, nice. Super. Bien joué, Mopiz. Moi, j'ai fait la moins 4, mais c'est pas grave. Mec, il y a la modestie. Ah, ouais, ils ont pas le droit de perdre ça. Faut que j'aille les aider, autrement ils vont se mettre au fond. Que tirer de moi. En vrai, c'était pas trop mal, mais une fois de plus, faut être moins greedy. Le but du jeu, avant de faire des kills, c'est déjà de ne pas mourir. La hache, je dois pas la jouer. Je sais pas qui est top root, mais c'est inadmissible de mourir comme une merde comme ça. Ne mourrez pas sur les power position, c'est tout ce que j'ai à dire. Moi, je veux le 1 partout, moi. Je veux que ça se termine sur consulat. Je vais faire une pression dans le bac. Il est bloqué à la fenêtre. Mais vas-y, mais il me casse les couilles avec. Ça c'est bien ça. On sent pas les couilles de la clash. Oh. Essaye de fermer ta gueule maintenant et donne-nous des calls. Arrête de faire la starlette là et aide-nous 2 secondes maintenant. Moto.
putain. Arrivée porte connecteur entre. Oh là là, bien joué. Bah, je le glisse. Bien joué, Axel. Allez, faut pas se donner. Pourquoi les sorties? J'ai pas. 2v2. T'es clear. Mais c'est inadmissible ça! Le tuer! Alex, c'est bon. Vas-y, tranquille, joue à 2. 50%, 75%. Faut faire le kill. 100%. Merde, joue à 2. Bien joué, ça. Oh, c'est ouf. Allez, tranquille. Bon, vous voulez jouer ou vous voulez plus jouer? Eh oui, on veut jouer. Ok, d'accord. Bah, quand je dis d'arrêter d'être greedy, qu'est-ce que tu sors là? Mais je voulais balancer le C4. Non, mais c'est arrêter de faire des trucs compliqués, les amis. 3v2, vous devez jamais perdre ça. Là, le round, il est perdu à cause de toi. Et arrêtez de prendre le cash aussi, si vous savez pas le défendre. Et pulse, ça se joue pas. Mais jamais, arrêtez de mourir en fait. Avant de vouloir faire des kills, arrêtez de mourir. Je vais refouler les trappes, les gars. Et le Guise, let's go, motive les troupes là. Je leur donne pas de call par rapport à ce que je vois ou ce que j'entends. C'est vraiment juste des choses logiques. Alro, 100% fait perdre le round. Aucun intérêt de sortir. On prend des risques quand le round il commence à être perdu en fait. À leur niveau, c'est ça. C'est foutu pour foutu, je prends un risque. Autrement, tu fais des trucs basiques. Le chiot et le bière. Kitchen. Clear. Ah, j'attends juste un C4. Réfrigérateur clear. Il y a une cam. Derrière nous. Je peux le pitch. Je laisse un drone de score. Ok, voilà. Voilà. C'est pas grave. J'étais à 50 mètres du C4. À droite, Zofia, à droite. Oh merci, le Guise. Il a pris moi. Voilà. Ah, je sais, je la vois. Ah, bien joué. Dommage. Tu veux que je passe? Stop le grid. C'est le gars derrière toi, hein. On est là qui était là-haut. Bah y'a un drone normalement. Non, y'a plus de drone, j'ai fait déjà, c'est pas. Oh, chier. Allez, let's go. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il se fout de notre gueule là? Allez, on prend salle de sport, salle de sport. J'arrive, je me dis, ils vont être hypés et tout, et là j'entends. Non. Allez, là on maîtrise. Il faut du bungee, les gars. Non, là c'était bien. Vous avez pris le bomb site en bas, vous êtes pas donné, et c'est tout en fait. Par contre, les gars, personne prend bungee ni mute. Franchement, si c'est. Ouais, mais non, mais. C'est trop tard. Je peux plus là, c'est trop tard là. Les prochaines. Ouais, oui, mais. Non, c'est pas grave, allez. Avec la Mira, ça va faire chier. Mais parlez-vous, Baggy, t'es toujours là ou t'es plus là? Là, il est plus là. C'est bon, je suis là. Ah, oui, t'es là. Sûr? Ouais, je suis là. Allez, là, vous avez bien joué là. En avant. Je dis sans sarcasme. Let's go. Personne ne prend bonding au but. Eh, fraîche main. Si personne ne prend bonding au but, qu'est-ce que vous voulez que. Comment ça se passe? Techniquement, si on prend pas bonding au but. Ouais, tu peux jouer. Il est sur la table. Ok, bon. Oh non, t'avais le breacher. Je suis tout seul. Nano qui tente ça, c'est pas mal. Vrai, bah, alors que je lui avais dit pourtant de pas tenter, mais ça va lui donner confiance. Mais Nito, je t'ai dit, il y en avait un coche. Ah voilà. Quand je le drone, il y est pas. Là où les mecs. Il va bien et toi, t'y es comment? Oh, oh le noob. Oh, qu'il soupe. Attends, mais Nito, il a 17 ans et il fume une cigarette électronique. Mais qu'est-ce que c'est que ça, sérieux? Moi, mon fils, il fait ça, mais il part à Guantanamo, le fils de... Construit. Oh là là! Oh, t'es flawless, deux fois. Zago, il est bon. Ouais, il est bon quand il... Ouais, je suis pas comme toi, hein. Il est pas mauvais. Celle-là, normalement, ouais. J'avoue que ça commence à être compliqué, là. C'est mieux une clope électronique ou fumer des clopes dans le dos des parents? Ni l'un ni l'autre, mec. Rien du tout, à 17 ans. Dans la mer, les gars. Qui est-ce qui s'est isolé là-bas avec Castle? C'est Baggy, putain, je lui dis de rester sur site, quoi. Jamais il gagne son duel pour moi, là, mais bon. J'ai du drone encore, vas-y. Bah ouais, Baggy. Baggy, please, quoi. Je te dis un truc, si t'écoutes pas après, bon bah voilà. Deux fois que c'est à cause de lui, le château de cartes s'effondre, quoi. Désolé. J'avance, alors. Non, je suis une merde. Red. Je suis dans le nomade. Nito. Y'a un mec là? Non, y'a personne. Les gars, je suis catholic. On arrive. Ça va être tendu pour venir mourir. Faut que t'arrives à transverser sans mourir. Fais gaffe, y'en a un raid. Où? Ok. Oh, le kill a pas.
25 secondes. Ah, ah peut-être okay. Ça peut le faire, 25 secondes. Les gars, j'ai besoin. Oh non, non. Au bout d'un moment, je suis mort. Non, please. Oh non. Il est à terre, c'est bon. Let's go, on avance, on enclenche. Il est où? Non, please. Coupe tout chez toi, Tisma. Bon, il s'est passé quoi là? Qu'est-ce qu'il raconte? Bah, je perds en garage. Je sais pas, ils sont tous tombés là. Il s'est passé quoi? Je veux juste l'entendre de la part du responsable en fait. Moi, je suis garage. Bah voilà, t'es mort, master. À un endroit où je t'ai dit de rester sur site en fait, Baggy. Jamais tu joues qu'à seul et jamais tu le joues tout seul. Si vous voulez faire des choses à deux, vous les faites à deux. Mais le proxy, pas possible en fait. Ils ont des drones et ils ont des trucs et ils jouent à deux. Si vous voulez pas m'écouter, vous m'écoutez pas. Mais venez pas vous plaindre que c'est perdu derrière. Faites juste ce que je vous ai dit, vous allez voir, ça va marcher. Ça a marché trois fois. Vous avez mis un flawless. En avant, vous êtes meilleur. Qu'est-ce qu'ils oublient là, ils sont dans leur effet tunnel. Tu vas voir que tout à l'heure, quand ça va être en attaque, ils vont bégayer. Y'a les gens, est-ce qu'il y a une moupise derrière toi? En haut ou en bas? Non, elle est en bas. Bien non, joué ça. Voilà, cool. Le Guise a le droit de monter. C'est voilà contre, c'est pas dur. Ah ouais. C'est pas où il est Nito, y'a pas de Guise. Il est redescendu. Oh ah ouais, le récolte. C'est les attaques qu'il faut okay, mettre. Ok, nickel. Bon, là, tu ça peux va mettre être difficile. Un tactical timeout, s'il vous plaît. Ouais, vous pouvez le demander. Si vous écoutez ce que je vous dis, ça va le faire, vraiment. Là, il va se passer quelque chose. Tactical. Votre capacité à vous adapter quand ils vont prendre le cash, ne pas hésiter à se dire que c'est pas grave si on n'a pas pris le garage à 30 secondes de la fin. Ça va vite de monter dans le garage. Donc s'il reste une minute et que c'est un 3v3, on a encore plein le temps. Vous précipitez pas sur la prise du garage et du cash. Quand c'est en bas, ne perdez pas de temps sur votre anti-roaming. Bon anti-roaming sur Clubhouse, ça veut dire avoir des drones qui sont déjà mis à des endroits intelligents. Si vous gagnez du temps sur votre phase de prep avec des insertions à différents endroits et des bonnes anti-roaming, et il vous reste 1 minute 30 pour jouer CCTV, alors vous gagnez. S'il vous reste que 50 secondes, alors vous perdrez. Et juste un truc, je leur donne pas de call ni rien, je les conseille juste, mais sans aucune, sans que ce soit absolument orienté sur la façon dont vous jouez ou ce que vous jouez, ou y'a rien. Y a un problème. Ouais, mais toi en revanche, arrête de prendre le FAMAS mec, hein. Il joue plus le FAMAS. Hein. Je sais pas, moi je connais plus la crème Bah rejoue à Rainbow Six, c'est un Red War. Hein. Heureux. Mais j'en ai plus qui va gagner? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ouais. Honnêtement, je sais pas. J'aurais tendance quand même à dire que là, prendre 3 rounds en attaque, c'est quand même pas mal. Ok, ça a tenté de deny, ça a deny. Qu'est-ce qu'il a pris, Baggy? Il a pris Termite. Ça, c'est mort. Véronique Sanson. Pourquoi Termite? Wesh! Ok, timing. Je pique pas. Y'a mec, y'a mec, y'a mec. Il m'a brûlé Catwalk. Moi, Alexis. Bien joué, poulet. On les attend. Tranquille. On attend qu'ils viennent. Supériorité numérique, tranquille. Pas de montagne, donc ils vont se faire enculer. Il sait que je suis rouge, hein. Mais what, Nano? Ah, Nano. Il est où, Nano? Voilà. C'est rentré bagarre, les gars. Prenez votre temps. Faut y aller doucement, faut redroner. Et voilà, et souvent là, on est en effet tunnel et on redrone pas. Nice, le droit. Du coup, on se fait enculer. Osa. Cool, ça c'est cool, là Osa 4 walk c'est bien. Je pense que ça aurait été Baggy qui aurait dû la sortir. Ils jouent bien les vieux, ils s'appliquent. Sauf Baggy qui fait un peu trop de bêtises de jeune quoi. C'est rentré. Où? Serveur. Bien joué ça. Et ça plante et ça joue du Rainbow Six. Dans la chambre. Attention à ça. Voilà. Mais c'est beau ça. Ça joue Rainbow Six. Ça prend le catwalk. Ça prend son temps. Ça bouge. Ça met le truc. Ça drone. Attendez les gars, on freeze. Il nous reste du tank. Et il nous reste une minute. Et voilà. Et derrière ça discute. Et derrière on se dit, est-ce qu'on peut planter ou est-ce qu'on peut pas planter? Eh ben je sais pas. Et ben on discute. Et on joue à Rainbow Six. Le tableau des scores est incroyable. Merci hein, Ubisoft. Hein. Vous êtes vraiment les meilleurs. J'ai pété mon bureau. Nano a pété son bureau. Oh là là, les setups tout pourris quoi. Wesh! Oh Baggy! Baggy chantier! Termine si tu préfères. Eh ouais, on perd sur ça. Nano qui fait son kill. Okay. Ça bon, joue bien, faut pas se presser. Oh mais vas-y. Vas-y, force à toi. Hein. Ouf. La revenge.
Attention le C4. Elle est dommage celle-là. Ça plante, ça plante, tu plantes. Vas-y. Non. Non. Dommage. Il aurait pu voler. Tiens, le round. Il avait juste à faire un grand tout droit. Pourquoi il a fait le mauvais? C'est même pas mauvais côté, il a fait un tour du monde. Oh oui. Nano, les amis, je la balance sur Twitter. Un ami là. J'ai tweeté les amis. Putain. Mais ouais, les trappes elles sont pas faites. Oh, oh, j'ai dit, j'aime les gars. Bien quand ça s'énerve là. Tiens, j'ai fait ça à la kitchen. Tout mais ce que je suis mort, on t'a une trappe. Je suis mort après avoir fait une trappe plutôt. Mais Nano, faut qu'il arrête de jouer Yana. C'est arrivé par le billard, c'est arrivé par le. Ah, quoi que les grenades, il les gère. Mais qui est-ce qui a des grenades et qui serait plus un opérateur flex quand même? Mais Sledge, ouais. T'as un fuse? Oui, je suis d'accord, ouais. Oh, Nito. La clé mort! Non, la blague! Ta mère! Ok. Oh fuck! Oh Nito! Oh, oh là! Et là, le C4 qui retombe. From 8000 de QI to 8 de QI. C'était pas con en plus, il avait super bien trigger discipline, Nito. Ouais, après, ils ont pété la trappe là ou pas? Et oui, ils ont pété la trappe. Ok, ben prends la ligne là. Bleu. Vas-y, viens. Oh! Bien joué, Moukis. 3v2, 30 secondes. Y'en a un qui va arriver à Scamain, y'en a un il est à l'escamain. Il est bien son petit setup là. La petite Azami là. Alro a tué Baggy. Escamain couloir dans la langue. Moukis à toi, mais non. Ok. Le petit trou du cul, pourquoi tu cries? Oh, c'est pas mal ça. Oh l'erreur! Oh, oh Nito! Ah ouais, oh Nito! Vas-y, construit open, ça m'a barbecue au niveau de l'escargot. T'as pas fait plaisir. Le coup du siège! La drone roule. Quelqu'un a vu ou quoi? Ah ouais, pas de chance. Allez, prenez des infos là. Oh là là, wow. Excel, les C4, les C4. C'est pas dedans, mais ça va la jouer. Il y en a encore un. Oh là, la clé mort, oh là. Bien joué, Baggy. Non, mais vas-y, mais nique toi. Jim, Nano. Oh putain, je mets oh là 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 là. Le clutch. Ah oui, bien joué ça. Oh le clutch. Il est retard raid, il est raid. Sinaz. L'enfant prodige de Montpellier, peut-il le faire? Eh hey, les petits chez Copic et tout. Il plante tout. Il a des bonnes mécas. Il peut le faire. Tous ses moves sont bons. Serre. Dommage. Le mec il me crie, laisse-moi du son, je l'ai entendu. Non, vraiment pas, gros, c'est encore en train de viser la rota. Ah, c'est dommage. Mais bien sûr que si, je l'ai entendu, gros. Ah, c'est pas, il l'a pas dit méchamment. Il m'a fait peur, le mec. Oh, les frères. C'était quoi l'info tout à l'heure sur le top raid là? Bah, je l'ai entendu et il continue de viser la rota, du coup je lui ai dit, mais j'aurais pas dû. Mais tu l'as entendu comment? Bah, je l'ai entendu bouger, Sinaz il m'a dit, il l'a entendu. Mais moi je l'ai entendu, je l'ai entendu. Même Sinaz il l'a entendu. Ah, tu l'as entendu, donc t'as backseat en fait? Oui, j'ai backseat, je l'ai dit. Oui. J'aurais pas dû backseat. Ok. Moi j'ai pas osé le backseat aussi parce que voilà. Mais ils jouent bien les vieux, non? Qu'est-ce que vous en pensez là? Que le Six Invitational, ok? Ah ouais, non, je passe. Allez où? Je suis intelligent. Mais je suis pas assez bon pour faire ce que j'ai voulu faire. Nito, il est trop fort. Le raisonnement en plus doit être super bon, tu sais. Non, franchement. Il est office. C'est là, je suis intelligent, mais je fais des moves débiles. Oh, j'ai atterri. Il est down. Oh putain. Oh, il le sauve. Deux contre il va rester son pote, il va rester son pote au niveau de la construction. Les fils barbelés de Red War comme d'hab hein. Ah, il y il va pas. Rouge. Ah, il est perdu Red. Vous avez compris, construit, il y a deux personnes, vous enquêtez down. Red, il y a personne, il est rouge. La push. Oh. Goal. Oh dommage. Let's go. Nito, il a sa course de je sais pas quoi là, du coup il doit se barrer. Oh, non, c'est une blague ou quoi? Non mais c'est un BO3, faites pas vos petites mijaurées là. Mais ouais les gars, non, sérieux. On en a pour une demi-heure. Il y en a pour 30 minutes, faites pas genre. Sérieux les gars,
On a essayé. Wesh, pourquoi t'as plus de voix toi? Mais pas parce qu'on vous a éclaté la gueule. Non, sérieusement, tout le monde peut. Qui est-ce qui peut pas jouer là? Tout le monde, c'est bon, on peut. Excel, s'il te plaît. Je me lève à 3h30, frérot. Mais alors, hier, t'as joué à Hull Showdown encore jusqu'à 23h. Non, c'est pas vrai hier. Et hier, j'ai pas dormi de la nuit. Putain, les gars, j'ai encore bossé. Là, je suis là. J'ai pété mon bureau pour que vous soyez pas là pour la troisième map. Non, non, Excel, s'il te plaît, fais un effort, mon poulet. Non, mais moi, c'est impossible, Six. Non, non, oui, mais impossible de quoi? Tu dis ça parce que t'es vénère. Non, 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 vraiment pas, je t'assure que non. Non, arrête, regarde, je le vois. Non, mais moi, psychologiquement, vous pouvez pas me niquer, en fait. Mais j'appelle ta mère, j'appelle Elodie, j'en ai rien à branler, moi. Je parle à Elodie, ok? Oh, le mec, il fait du RPF, oh là là. Lopis, t'as tout motivé, là, putain. Mais t'es moi, il sort son vieux volant, frère. Putain, Nito. Eh, je contacte les admins, je te fais rayer ta putain de course de merde, mon gars, ok? Non, mais Nito, t'es sérieux, vraiment? Non, mais là, premier degré, t'es vraiment sérieux? On va leur dire que tu shit. Moi, j'ai qu'une chose à dire. Ça perd par forfait, hein, c'est bon, hein. Ben oui. Les jeunes, là, ciao, bonne. Vous êtes vraiment des baisers, hein. Et vous êtes fait défoncer. Et ça rage quitte direct. Regarde ça. Nito, il a fait un kill dans toute la partie. Regarde ça, il rage quitte comme une demeure. Non, mais regarde-moi ça, mais. Oh, oh là 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 là, mais. C'est bon, on lance à 4. Nito. Bon, comment ça 200 balles tu restes? Mais c'est quoi ces gosses là? Juste un truc. Eh hey, papa et maman Nito, ils savent que tu fumes ou pas? Oui. Ok d'accord, ouais, ça marche. Pour la route dans le sac, Elodie, elle le sait ou pas? Quoi? La herbe de Provence. Qui a été retrouvée dans le sac. Est-ce qu'elle le sait? Est-ce qu'il le sait ou pas? Elle le sait? T'es sûr? Alors je vais l'appeler du coup. Elodie, maman Tino. Je te jure, je l'appelle maintenant. Je te jure, je l'appelle maintenant. Je l'appelle en live, mon gars. Non, je lui dis que tu fumes des gros... Herbe de Provence. D'accord. Ok, c'est qui le psychologue ici? Je vais vous dire exactement ce qui se passe dans la tête de Nito. Ça le fait chier qu'il ait perdu et qu'il se soit fait défoncer la gueule. Il a le seum. Il a le seum. Il aurait fait 10 kills, il aurait été le meilleur, etc. Et en plus, il a le seum parce que Mopis, du coup, a perfé. Et lui, t'as pas perfé. Tu sais quoi? J'étais pareil à ton âge. Mon ego, j'aurais dit, ouais, bah niquez-vous, franchement, ce jeu de merde, de toute façon, je préfère me barrer sur un autre truc. Mais dépasse ça. Arrête avec ton mytho, reviens avec nous, on passe un bon moment. Et fais-nous voir, t'as pas eu de chance tout à l'heure, je te l'ai dit sur le move de la clé morte. Six, Mopis, il a rien perfait du tout. Hein. Je suis désolé de dire ça. Sinas, hein. Ferme ta gueule, toi. On vient de récupérer ta cam. Et Nito, tu m'as fait péter un bureau et toi, tu vas te casser. Tu m'as fait péter un bureau qui vaut ta baraque, mec. Mary, Nito, c'est toujours la même chose au final. Ouais, non, merde. J'ai vu Mary dans le chat. Non, c'est pas ça. Non, Nito, c'est toujours la même chose. C'est la spirale de la loose, d'accord? Tu commences à rater des kills, donc tu commences à tenter des trucs, donc tu commences à rater des kills. Pour une fois dans ma vie, je ne suis pas tilt, genre vraiment. Vrai, t'es pas tilt là. Mais alors pourquoi tu peux pas? Bah alors pourquoi il va être recruté dans une écurie. Mais ta gueule, ta course, tu t'es engagé pour les héros d'Oregon ce soir. Ta mère maintenant, tu viens et c'est tout, tu finis ta game. Imagine le truc, genre imagine l'affiche, les héros de l'EHPAD versus les héros d'Oregon. On fait deux games, on doit en faire une troisième. Mais on oui, la, fait pas. La vidéo elle s'appellera ce mec est une grosse pute. Ça y est, là, c'est fini, y'a plus de frère là, ça y est. C'est grave. Je m'en fous, on lance un 4v5. Non, attends, y'a toujours les 200 euros en jeu parce que moi je veux bien jouer. toi déjà, je t'ai filé 2000 balles là, c'est bon. Hein. Toi, je te passe en PayPal, dis pas. Du coup, les vrais gagnants aujourd'hui, c'est les héros de l'EHPAD. En vrai, on termine sur un partout. Moi j'ai pété un bureau ce soir tellement j'avais la rage de gagner. Et l'autre, il se casse jouer à la F1 à faire son Max Verstappen. À peine de mais c'est bon quoi, laissez ton bureau, tomber. Ton bureau, j'ai pas vu, fais voir ton bureau. Non mec, mon bureau il est niqué mec, regarde. Attends, regarde mon bureau mec, regarde ça gars. Tu vois ça? Je pense à Walid. J'ai le Walid. Oh putain. Tu vois ça mec? Oh, et c'est bon quoi hein. Et les héros ça m'a fait péter. Un clavier, un bureau. Limite une souris la semaine passée, et c'est bon quoi. C'est... Casse pas celle-là. Vas-y hein, maintenant c'est bon. Non, moi j'en ai ras le cul. Eh, les gars, je dépense plus de thunes que tout le SMIC de France bientôt, et puis le gars il me lâche quoi, c'est bon quoi. Putain, ça me casse les c***, mec. Vas-y.
Oh putain. C'est trop drôle. Parce que avec ton accent, il y a aucune légitimité dans l'énervement. Mais il y a pas de crédibilité. Je sais qu'il y a pas de crédibilité. Non mais franchement les gars, là je suis extrêmement énervé là. Hein. Là je m'énerve. Hein. Là j'ai cassé mon bureau.